young people, and we're going to make a difference, and we're going to make a change, and it's up to us to change the world. People change, not climate change. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Faut-il déclarer l'urgence climatique? La réponse tout de suite, juste après le générique. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. Connaissez-vous Greta Thunberg? Depuis qu'elle a 15 ans, avec l'accord de ses parents, cette jeune activiste suédoise proteste chaque vendredi devant le Parlement de son pays contre son inaction face aux effets du changement climatique. Depuis lors, 100 mouvements de grève de l'école le vendredi inspirent les jeunes générations à travers le monde. Elle est reçue partout, dans les plus grandes réunions internationales, écoutée par les plus grands dirigeants mondiaux. Son franc-parler dérange parfois certaines personnalités politiques qui n'hésitent pas à critiquer son action ou ses paroles. Parmi les critiques, certains dénoncent son jeune âge, la jeune fille pouvant être influencée dans son jugement. À cela, elle répond que c'est elle et ceux de sa génération qui devront s'adapter aux effets du changement climatique, que c'est à cause de l'inaction des adultes d'aujourd'hui qu'elle et tous les jeunes activistes à travers le monde doivent se faire entendre. Pour Greta Thunberg, il est encore temps de faire quelque chose. Dans cette vidéo de l'ONG Conservation Internationale, elle apporte son soutien à la protection de la biodiversité. Forêts, zones humides, récifs coralliens ou océans, tous les écosystèmes menacés par nos activités humaines sont pourtant les remparts naturels et efficaces contre les effets du changement climatique. Elle ajoute « Ne m'écoutez pas, écoutez les scientifiques ». Bonne émission. Vendredi 20 septembre dernier, Greta Thunberg justement a lancé un appel mondial à la mobilisation pour le climat et la nature dans la perspective du sommet spécial des Nations Unies qui se tenait à New York le lundi suivant et marquait le début d'une semaine d'action climatique. Des millions de personnes se sont alors mobilisées pour demander à leurs gouvernements respectifs de prendre des mesures contre les effets du changement climatique. Au Fénois également, plusieurs marches pour le climat et la nature ont été organisées à Papeete, Moréa, Huahine et partout au Fénois. Nous avons suivi les associations de Moréa. Donc cette marche pour le climat et la nature aujourd'hui répond tout simplement à un besoin de la population. On a été sollicité par les citoyens, par d'autres associations environnementales et même s'il se veut être une marche citoyenne, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui la porte pour les autorisations, etc. Donc Ossania s'est portée volontaire tout comme l'an dernier. Ça nous semble être pour nous un des objectifs du milieu associatif que de pouvoir donner l'opportunité à chacun de s'exprimer et notamment à la population de Moréa qui n'a pas la ressource ou les moyens d'aller en ville, de pouvoir aujourd'hui marcher en même temps que Tahiti sur son île. Voilà. Oui, il y a des tomates, il y a des poupous, propriétaires et collectifs, dans le type E. Il y a des poupous, des veines, des témoins, 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 des témoins. Je pense qu'il ne faut pas juste penser à nous aujourd'hui et agir comme on veut, il faut penser au futur en fait, à nos enfants, nos petits-enfants et à la suite. À Tahiti aussi, un collectif citoyen mené par Liza Pauterea a mobilisé les associations et le grand public pour cette journée. Nous avons fait le point ensemble. Ces marches en fait, c'est la réponse collective du monde entier. Pour dire que nous voulons du changement. Et à Tahiti, on n'est pas beaucoup. Et du coup, la tâche est un peu peut-être plus difficile parce que dans les autres villes, l'information passe vite et ils sont tout de suite 80 000. Nous, on est tout petits et c'est difficile, mais c'est une réponse collective. Pour la prochaine marche, on va inviter la population de chaque commune,
Je pense que sous peu, on va aller faire le tour des quartiers, des communes, pour leur demander de faire ce grand relais, peut-être, de faire ce grand relais de prise de conscience pour la marche pour le climat. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée « Zoom sur ». L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique et le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la voiture électrique. Savez-vous qu'en Polynésie française, la majorité des émissions de CO2 provient des transports terrestres pour 33% et de la production d'électricité pour 36%? Conduire un véhicule électrique peut vous permettre de réduire votre empreinte carbone. En effet, pour faire avancer le véhicule, son moteur n'utilise pas l'énergie créée par l'explosion du carburant, mais par l'énergie stockée dans ses batteries. Un véhicule électrique est composé de 4 grands ensembles. La prise de raccordement pour la recharge, un moteur pour tracter le véhicule, les batteries pour stocker l'énergie et un ordinateur de bord pour gérer et contrôler le système. On ne peut pas directement comparer le moteur électrique par rapport à un moteur thermique, mais les dernières études ont montré que le moteur électrique était 2 fois à 2 fois et demi moins gourmand en énergie que le moteur thermique. Quels sont les sujets de la protection de l'environnement ou du développement durable qui vous intéressent? Nous sommes allés dans la rue pour vous poser directement la question. C'est la boîte à questions dans le JTV. Y a-t-il un lien entre le traitement des déchets et le changement climatique? Merci pour cette question. Il y a effectivement un lien entre traitement des déchets et changement climatique. Je le répète régulièrement dans le JT Vert, notre monde moderne se caractérise aujourd'hui par sa consommation effrénée de produits de moins en moins durables. Produits à usage unique qui deviennent des déchets à la première utilisation, appareils électroniques dont la vieillesse est programmée, vêtements démodés après seulement 6 mois de collection, tous ces produits finissent pour la plupart à la poubelle. Pourtant, pour les obtenir, il aura fallu extraire des matières premières, les fabriquer, les conditionner, les transporter et les distribuer. Et à chaque étape, on a créé des déchets et émis des gaz à effet de serre. Une fois enfouis dans un centre technique, ces déchets produisent du méthane, un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2. Alors oui, il y a un lien entre traitement des déchets et changement climatique. Profitons donc de la Semaine européenne de réduction des déchets pour faire un premier pas en faveur de notre planète. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Si chaque arbre produisait du Wi-Fi gratuit, aurait-il plus de valeur à nos yeux? Laurie Hills et Joshua Powell nous incitent à la réflexion avec leur court-métrage intitulé « Connect to Earth », « Connecté à la Terre » en français. Le film explore la façon dont nous y sommes connectés dans notre vie quotidienne. Regardez. Les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que notre planète est notre allié contre les effets du changement climatique. À très bientôt. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, retour sur le Fatih Tehti en brouette pour le climat, réalisé par 6 amis complètement fous de notre Fénois. Dimanche prochain, une partie de l'équipe, Antoine, Jason et Heymanou, nous parle de leur exploit et surtout de leur engagement pour notre Fénois. C'est prochainement dans le JT Vert.